Salut les gars, petite vidéo update du soir, déjà parce que j'avais envie, mais aussi parce que j'ai pas mal de soucis avec TikTok qui arrête pas de ban mes vidéos, en tout cas qui passe pas la validation. C'est un petit peu chiant, mais évidemment je vais pas vous raconter la même chose que ce matin. On va faire un petit point du soir, mais regardez, c'est très 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 pénible, hein, quand, si jamais vous me suivez sur TikTok, mais je vais la mettre la vidéo pour tout le monde. Regardez, là j'ai violation des consignes communautaires, machin. Enfin bref, si vous me suivez là-dessus, vous appuyez juste sur le bouton qui est juste là, et ça mène directement sur la page, et vous avez les vidéos du jour. C'est parti les gars, petite vidéo du soir. Donc le BTC, on est toujours sur les 20 800 $, on perd 2,3%. La map est assez rouge encore ce soir. Il y a Missile Soltol qui perd encore 6% parce qu'en fait il est touché par l'histoire de FTT. Je vous expliquerai rapidement tout à l'heure pour un petit update. On a Matic et Doc en fait qui nous pousse un petit 4 et 5,5%. On a aussi Okabo qui nous pousse un 7%, Okabe pardon, et Link 3,5%. Le reste c'est assez rouge les gars. Qu'est-ce qui est intéressant de voir tout simplement, déjà si on passe sur les petites time frames, je vous en parlais ce matin pour ceux qui ont eu la chance de voir la vidéo, on a touché parfaitement les 0,618 de Fubo de retracement qui se situe aux 20 590 $. Grosso merdo, regardez comme c'est chirurgical. Alors moi j'ai pris un petit short hein, sur le BTC, je vais vous montrer juste ici. Toujours la petite, le petit Messi qui me fait un sourire dès que j'ouvre l'application. Juste, je vous montre là, juste là. Hop, j'ai pris juste un petit short. Alors pour le coup j'ai descendu mon stop hein, si jamais on fait des petits W, si jamais ça repart, donc il est juste au-dessus de cette structure, ce sera peut-être une petite chasse au stop, mais je risque plus rien. Mais en tout cas c'est assez intéressant de voir qu'on a été le chercher à la perfection. Et si on le couple directement avec une analyse notamment du côté d'Ishimoku, c'est plutôt pas mal aussi intéressant puisqu'on a été rebondir tout simplement sur la Tenkan. On est en train de la travailler, on est juste dessus. Alors moi je pense qu'on va aller un peu plus profondément hein, aux 20 450 $ à minima. Je pense même qu'on pourrait aller un peu plus bas tout simplement parce que du côté du long short ration quand même on a toujours cette augmentation du nombre de personnes en long. On est à 58% au moment où j'enregistre et ça achète plus du tout sur le spot. Les fundings sont très très positifs, donc je pense vraiment qu'on pourrait continuer cette petite baisse. Sinon du côté des news les gars, parce que je vois qu'on parle que de ça, du côté de la guerre entre FTX et Binance, il y avait pas mal de gens qui me posaient la question, notamment sur Telegram, mais en tout cas ça parle que de ça sur la cryptosphère française. Donc qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Bah les gars, moi évidemment, si j'avais des, c'est pas mon cas, moi j'utilise vraiment pas FTX hein, j'ai plein d'exchanges, donc j'aurais fait pour le coup, je pense que j'aurais fait la migration, je pense que je serais sorti parce que vous voyez j'ai Bitmart, j'ai Swissborg, j'ai Binance, j'ai Probit, bref j'ai Bitget, j'en ai énormément, donc je pense que je me serais barré de FTX. Alors est-ce que ça va tenir? J'espère vraiment les gars hein, que c'est juste du FUD et un concours de taille de ce que vous pensez entre les deux, ou à la fin où CZ gagne. En tout cas il a foutu un beau bazar, mais j'espère vraiment qu'ils sont pas insolvables parce que ce serait quand même pas une bonne nouvelle pour le marché crypto dans sa globalité, parce qu'ils ont pas mal d'avoir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de FUD autour de Missile Sol, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup d'avoir en sol, et si jamais ils font défaillance, bah, ce serait très mauvais aussi pour la crypto sol, mais pour le reste c'est plutôt pas mal. Et dès qu'ils remettent un peu de liquidité, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui sortaient des exchanges, donc il y en a pas mal quand même qui commencent à se barrer. Donc si j'étais sur FTX les gars, c'est vrai que je pense que j'aurais envoyé mes cryptos ailleurs, surtout que j'ai pas mal d'échangeurs, donc j'en aurais profité pour envoyer ailleurs. Voilà les gars, vous savez tout, petite vidéo du soir, j'espère que ça vous a plu, peut-être qu'on en fera de temps en temps si ça vous fait plaisir. Et allez, je vous donne un dernier bonus, il y a une crypto qui m'intéresse énormément hein, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin, il y a une crypto hein, qui m'intéresse énormément, c'est Raven, parce qu'elle fait des structures vraiment très sympathiques, c'est celle sur laquelle j'ai rechargé, c'est ma peut-être petite crypto surprise du soir, parce que je trouve qu'elle fait des structures très intéressantes. Le projet est toujours bien bien chaud, on est en train de retester un petit W weekly qu'on avait fait juste ici, donc c'est une crypto qui m'intéresse fortement, c'est mon petit cadeau du soir, j'ai pas mal rechargé dessus. Les gars, faites attention à vous, passez une très très bonne soirée et on se retrouve demain matin en espérant que TikTok fonctionne bien. N'hésitez pas à aller sur Twitter dès que vous voyez qu'il y a un souci les gars, passez une bonne soirée, salut.